Ça va les gars, vous allez bien? Elle est à combien vous? 18. C'est pratique pour nous, comme ça, ça permet de voir les touristes, parce qu'en principe, il n'y a que les touristes qui prennent le bain à cette température. On est dans la ville la plus vieille de France, 2600 ans. Les Grecs sont arrivés par là. Hein. On est à 30 mètres du port. Laisse-moi tranquille, moi je sors comme d'hab à 3 heures, nous on était là autour. On a plein d'abricots, on est en plein Marseille quand même. C'est la plus belle ville du monde et il n'y a personne qui l'a compris, donc il y a tout à faire. Ici, quand tu donnes la parole à quelqu'un, ça a encore du sens. Celui qui me dit du mal de Marseille, je lui arrache les yeux, je ne l'ai jamais fait encore. Hein. Allez, là tu vas découvrir que le bout du monde est un paradis. Et quand tu dis que tu es marseillaise, tu le partages avec 800 000 personnes. Et quand tu dis que tu es marseillaise, ça veut dire que tu n'es plus seule. Il y a une force ici, il y a un magnétisme, il y a quelque chose qui n'est pas ailleurs. Même quelqu'un qui arrive à Marseille à 60 ans, ah ben, il deviendra Marseillais de 60 à 100 ans. Marseillais, on le devient. Quand je suis arrivé à Marseille en 97 pour démarrer le tournage du premier Taxi, tout de suite, je suis tombé amoureux de cette ville. 4 films plus tard, le monde entier avait découvert Marseille et son taxi blanc, et moi j'avais tissé des liens très forts avec cette ville belle et rebelle. Alors comment vous la montrer et vous faire ressentir sa complexité pour dépasser les clichés qui ont la peau dure? Comment Marseille, lieu de brassage où l'on finit par se demander qui est étranger, transforme toutes les filles et les fils de la Méditerranée, et les autres aussi, en Marseillais et fiers de l'être? Nous allons suivre 22 Marseillaises et Marseillais, 22 anonymes au cœur de la ville. Vous ne verrez pas de scoop, mais vous allez voir bien plus que ça. Vous allez rencontrer 22 personnes. 22 personnes exceptionnelles, vraies, dont on ne parle jamais dans les médias et qui constituent l'ADN de Marseille autant que les faits divers. J'espère faire un film pour les gens qui aiment les gens. Gérard! Oh mon gars! Tu es venu me chercher, c'est alors, gentil. Bien arrivé? Ouais, ouais. Bon voyage? Ouais. Super. Et bienvenue à Marseille. Tu vois, Marseille, 88 communautés. Là, la Louche, par exemple, si tu regardes les personnes, tu dois avoir une quinzaine de nationalités. Voilà, si tu fais un petit sondage. Et alors, on dit souvent que New York est la capitale du monde. Mais en fait, la capitale du monde, c'est Marseille. J'ai un pote qui s'appelait Grégory, donc c'était, ou Adrien, voilà, c'était des potes à moi, des très bons amis même, et qui, voilà, à 5h ou après les cours, elle me disait, allez, Mourad, c'est cours de piano. Moi, je racontais ça à mes potes. Ils me disaient, non, c'est pas vrai. Je disais, mais je te promets, j'ai fait un cours de piano, j'ai fait un cours de latin, j'ai fait un cours de français, j'ai fait un cours de mathématiques, même si je n'ai pas forcément besoin. Eh bien, c'est vrai que il y a un mode de vie dans les quartiers sud qui n'existe pas dans les quartiers nord. On est dans un bar de quartier, mais bon, il se passe rien, hein, il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas un mec mort devant la porte, quoi. Donc c'est le petit bar typique de mon quartier. Et là, vous voyez des Marseillais au travail, des retraités au travail, ouais. Bruno, c'est mon dealer de tomates, de haricots verts, parce que tous les gens du quartier ont des petits jardins. Et lui, tu as vu les pêches de vigne, il me descend les haricots verts, il me descend les tomates, etc. Ici, on est vraiment à la campagne, quoi. Et la confiture. Et la confiture. Son père de ce monsieur-là. Son père a accouché mon fils aîné. Mon père était médecin dans le quartier, donc tu vois que c'est une histoire de famille. Hein. Donc je crois que Honoré a été soigné par mon père, le monsieur Manzon, etc. Ouais, exactement. On n'a pas dit le contraire. Mais ce que j'ai dit surtout que si tu commençais à parler, on n'allait pas s'arrêter. Et que tu allais manger toute la pellicule. Et le petit Nabil Siouani, quand son père est mort, comme je suis ami avec lui, je suis ami avec son grand frère avec qui j'ai joué au foot, la tradition veut que je sois passé le soir, que,
Que je sois allé les saluer, que je sois comme chez les Juifs ou chez les Arméniens, il y a des rituels. Eh bien, quand on veut connaître une culture, il faut aller dans cette culture, il faut y rentrer, il faut accepter tous les rituels. Et moi, je suis un enfant des quartiers nord. Je suis fils de médecin, attention. Mon père était médecin ici. Et pour lui, un bon républicain, il n'a jamais été question de faire autre chose que l'école de la République, bon, l'école des Égalades, puis après le lycée nord. Et je n'ai jamais pensé pouvoir faire autre chose que de prendre sa suite ou de travailler avec lui. Je ne me vois absolument pas faire le médecin ailleurs. Ça va, grosse ? Bonjour. Voilà les gars, il faut faire des prières pour que l'ascenseur marche. Ça va, Bugalo, toi ? Ça va. Bon, Julie, j'arrive, hein, tu vas voir. C'est chaud. Hop, ça chaud. Petite bise quand même, ma chérie. Ouais. On va me voir un peu l'arrêt du cul quand même. Ah oui. Pas grave. Et voilà. Allez, ma Julie. Bon, ça va, elle a pas trop été essoufflée. Non. Elle en a marre de manger sans sel. Hein. Voilà, non, mais tu es obligée. Sans sel, c'est obligé, Julie. Hein. Sans sel, c'est obligé pour toi. Obligé. Hein. Ta tension est très bonne, ma chérie. Mais je sais. Comment ça, tu sais? Je sais. Que... Mais je sers à quoi, alors? Mais il y a les choses qui viennent. Ah, d'accord. Autant de temps que je suis avec lui. Mais plus. Eh oui, plus. Tout que je dis, il faut la garder, elle a bientôt 100 ans. Elle a 100 ans dans combien? Au mois de janvier. Elle a 100 ans au mois de janvier, donc. Janvier, ouais, moi, je ne quitte pas. Je sèche. J'ai presque 100 ans, mais je ne quitte pas. Mais en plus, je vais t'expliquer une chose. Moi, qu'elle soit mes souillettes, comme ça m'arrange. Ben oui, le mec. Faut qu'elle soit limite sèche. Là, ouais. À bientôt. À bientôt. Allez, bye. Allez. Hop. Donc, s'il y a un souci, mais tiens bien pour le régime sans sel, hein. Ok ? Ça va pas. Allez, ciao, je suis dans les cités marseillaises, il y a des bruits qui courent, comme quoi la cité, elle vit du trafic, etc. Mais c'est une connerie monumentale. Les cités, elles vivent de gens, d'ouvriers qui ont travaillé la journée et qui rentrent le soir chez eux, de petits commerces, etc. C'est vrai que parfois, dans un coin de cité, tu vas avoir un petit dealer avec son petit marché, mais la cité ne vit pas du trafic. Donc ça, à gauche, c'est la cité du Castellas. 99,9% des gens qui y habitent sont des gens qui travaillent. Ça, c'est la pâquerette. Ce sont des gens qui travaillent, ce ne sont pas des gens qui dealent. C'est un beau métier, si on nous emmerde pas, c'est un beau métier. Dur mais beau. Oui, moi je suis né à Marseille, j'aime bien cette ville. Bon, elle a changé, c'est sûr qu'elle a changé. Et avant, si on voyait quelqu'un se faire agresser, les gens ils bougeaient. Maintenant, quelqu'un se fait agresser, tout le monde il se tourne. Ça va, Louis ? On va commencer à l'âge de 10 ans, non ? Ça va, Claudette? Hein? Laisse-moi tranquille, oui. Qu'est-ce... Comme d'hab, moi je sors comme d'hab à 3h, nous on est des lave tout. Alors c'est une bonne pêche ça? Moyen. Eh oui, elle est vivante pour le bon chemin. T'as pas des merlans ce matin? J'en ai pas, non.
Non. J'ai pas vu ce matin, non. Non, il y a que de la soupe. Tu la fais pas, toi? Non, je fais pas la soupe. Mais des rougets, ils me plaisent bien. Combien t'en veux? Mais moi, les tous, hein. Tu rachètes ça ou c'est pas cher? 8 euros. Ouais? Allez, fais-moi-le. C'est le seul à Marseille qui arrive à avoir que du poisson méditerranéen. Il fait que ça. Ça, c'est en ligne de chez nous. C'est quoi les gros là? Chapon. C'est magnifique. Ils sont énormes. Et elle est belle. Elle est petite. De la 25, 21, 25 au kilo, la sardine. Ça fait des sardines comme ça. Comme celle des fisonnés bretons. Poulpe de roc. C'est comme il a réagi lui. C'est de la royale ou... Ouais, tu la vois la royale, le croissant jaune et rose là. Ça, ça tu vois là. Je pense que ça se peut que... Ben il y en a le plus petit, j'arrive à ne pas le vendre et que je le mange moi. En plus c'est le poisson préféré de madame donc. Chapon très très bon. Ouais, c'est ce qu'il t'a dit, la traçabilité. Ah, chapon, Méditerranée, le thon blanc, le germon, les langoustines. Peut-être que des chapons comme ça dans toute la criée, aujourd'hui il y en a eu 5. J'arrive à en avoir 2. C'est quoi ça? C'est une piste. Ça, tu le manges en friture. Tu fais des cornets de piste. C'est waouh. C'est Benoît et lui c'est Sylvain, mon frère jumeau. On est windsurfer professionnel, on suit la Coupe du Monde depuis 12 ans maintenant. Et surtout à Marseille, c'est top parce qu'on a une polyvalence de conditions qui est assez importante et variée. Donc on a du Mistral, on a du vent d'Est en hiver. C'est grâce aussi à cette baie qu'on est arrivé à ce top niveau en windsurf. Parce que c'est un plan d'eau très technique et qu'on retrouve sur certaines compétitions à l'étranger, donc c'est le top. Mais c'est vrai que quand on était jeune, avec Sylvain, on s'est beaucoup cherché. On a toujours voulu aller voir ailleurs comment était le style de vie à l'étranger. Donc en passant par la Californie, San Francisco, même la côte ouest d'Australie ou l'Afrique du Sud. Et en fait, c'est vrai qu'à force de partir et de revenir à chaque fois, on se rend compte tous les avantages et la qualité de vie qu'on a à Marseille. Je pense qu'on a trouvé notre équilibre ici. Un équilibre qu'on ne trouve pas forcément ailleurs puisqu'on a la chance d'avoir la deuxième ville de France. Un parc, un terrain de jeu en fait exceptionnel qui se trouve d'ailleurs juste derrière nous pour faire du vélo, l'escalade, du trekking.
pastel. En fait, voilà, pour nous, la ville idéale, c'est Marseille. Et on est né à Marseille, marseillais, fiers de l'être. Sur la Canebière, ça fait 64 ans que je suis sur la Canebière. Jeudi. C'est jeudi aujourd'hui ? Ouais. Oui, s'il vous plaît. Merci. Et alors, Marinette, vous la connaissez aussi depuis longtemps ? Oh là là là. J'ai connu son père, même. Nous, c'est une histoire de famille. Ah, mon ouais. Père, moi, mon fils. Voilà. Avant, c'était pas ici, c'était ailleurs. Mais je les ai suivis. Je suis une cliente fidèle. Oh, on est bien là, on a trouvé un endroit exceptionnel. La plus vieille maison de Marseille. Regardez la photo. Quand ils ont démoli le port, il restait que cette maison. Pour l'aligner par rapport aux rues et aux immeubles, ils l'ont poussé, ils l'ont tourné. D'ailleurs, vous avez qu'à voir, sur la façade, vous avez le nom de la rue à côté. Il est marqué Grand Rue, alors que sur la façade est gravé Rue Bonnetterie. Très très vieille maison qui date de 1535. En plus, il y a tellement de touristes qui passent. On a le salon de coiffure le plus visité du monde. Moi, c'est ma Canebière, c'est mon Marseille. Il ne faut pas qu'on dise du mal de Marseille. Celui qui me dit du mal de Marseille, je lui arrache les yeux. Je ne l'ai jamais fait encore. Hein. Il y en a un jour, je lui ai dit, écoute, tu vas te changer de professeur parce que moi, je ne te conviens pas. Tu vas choisir un professeur. Alors, il y avait sa cousine aussi qui était à Lyon maintenant et qui était là. Non, non, non. Écoute, moi, je ne te conviens pas. Je suis trop sévère avec toi. Je ne te conviens pas. Écoutez, moi, je donne des leçons. Il faut qu'en partant, je leur ai enseigné quelque chose qui parte avec autrement, ça m'intéresse. Oui, je gagne de l'argent, d'accord, mais l'argent ne suffit pas. Je veux la satisfaction professionnelle. Et je me flatte maintenant d'avoir des élèves, plusieurs élèves. J'ai 4 élèves qui sont professeurs au conservatoire ici. Voilà, Marine Monroe. Elle est touchée. Extra. Non. C'est vrai que je touche aussi. Si. C'est comment ? Béton armé. Béton armé. Il faut pas que ça bouge. Ah, faut pas que ça bouge. Voilà. Touché. Béton armé. S'il y a du mistral, la tête elle partira, mais pas la coiffure. Mais demain matin, je suis coiffé encore comme ça. Oh, et la mesure. 1, 2, 3. Recommence. Donc c'est la salsa. Al crescendo. Eh, hey, t'as mince, encore un. Oh. Alors, reprends. Reprends ici. Sol, do et ne t'arrête pas. Sol, do. Do. Tu me fais pas beaucoup d'honneur, hein? Je t'avais dit de le travailler pourtant. Tu n'as pas travaillé, tu t'en fous. Il y a des professeurs que si on ne travaille pas, ils nous disent c'est pas grave. Toutes les semaines, ils peuvent nous le dire plusieurs fois, alors que Madame Collet, elle nous crie un petit peu dessus pour nous remotiver. Puis après, ça se calme, quoi. On y arrive, on travaille ensemble. C'est, j'aime bien. Elle comprend tout, elle est mignonne, elle est gentille. Jamais elle a un mot de travers, ni elle accepte tout ce que je dis. Pour ça, elle est formidable. Mais elle n'aime pas trop de travailler. Eh, c'est vrai ou non ? C'est vrai. Ah, c'est vrai. Je l'aime bien. Non, non, mais il faut être comme ça dans la vie. Il faut regarder le positif. Tout le monde a des ennuis, des ceci, des cela. Mais c'est la vie. Quand on sera mort, on n'aura plus tout ça. Mais quand on vit, on est obligé de subir ce qui se passe. Hein? C'est comme nous, quand il y a du vent. Ah, il y a du vent. Ah, il ne fait pas beau. Ah, j'ai dû aller dans les endroits où il y a les inondations, vous verrez un petit peu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Notre canne-canne-bienne, c'est la vérité. Elle va jusqu'au bout de la terre. Notre canne-canne-canne-bienne, elle va au bout de la terre. Coquin de sort. Okay.
elle exagère. Comment vous la décrire, son charme est sans pareil. Joyeuse, elle s'étire comme un lézard au soleil. Et ici, c'est la plage du Prophète, c'est un petit peu le quartier général, c'est une plage qui est mythique à Marseille. Parce que tous les Marseillais connaissent les Prophètes, les Catalans et les Prophètes. On y vient quand on est tout petit, et puis après on y vient avec les enfants, et puis on y vient avec les petits-enfants. Donc quelque part, c'est un petit peu l'endroit où tous les Marseillais se retrouvent. Ils se retrouvent au stade Vélodrome le soir, et puis quand il fait beau, ils se retrouvent à la mer. Ils sont sages, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de soucis, ils sont tous sages. Ils sont venus déjà. Ils sont sur le bateau, ils sont sages. Ouais. Ah, ils ont peur sur le bateau. Centre loisirs jeunes de police nationale, c'est un petit peu atypique à Marseille aussi. Parce qu'à Marseille, on ne fait jamais rien comme les autres. C'est une quinzaine de policiers qui sont détachés pour s'occuper des jeunes, c'est-à-dire faire de la prévention de la délinquance, les occuper, c'est-à-dire les récupérer dans certains quartiers, les faire venir chez nous, leur montrer leur patrimoine à la mer, mais aussi leur expliquer un petit peu le racket, la drogue, tout ça. Bon, non seulement ils vont faire le tour de Frioul, mais on va leur expliquer un petit peu l'histoire de Marseille. Le château d'If, il a été fait pour défendre Marseille, qu'il n'a jamais servi. Un tas de choses comme ça que ces petits Marseillais, ils ne connaissent pas. Et c'est leur patrimoine. Et c'est vrai qu'ils nous regardent les yeux un petit peu écarquillés. Et je pense que quand ils reviennent, au bout d'une heure, ce n'est pas simplement d'avoir fait une heure de bateau, c'est d'être un peu plus Marseillais. Dans ma profession, il m'est arrivé d'aller, quand je suis jeune policier, je suis parti à Lyon pendant 2 ans. Sincèrement, quand j'arrivais sur Marseille, que je voyais la bonne mer, c'est un cliché ce que je vous dis. Mais je me disais que je suis à la maison. Voilà, je suis rentré dans ma ville. On rentre dans sa ville à Marseille, comme on rentre dans son quartier ou dans son appartement. Alors je crois que dans le monde entier, quand on dit ben, je suis Marseillais, ça veut dire c'est plus que d'habiter dans une ville. C'est je suis Marseillais. Alors, ce qui est intéressant au niveau des plages du Prado à Marseille, c'est que c'est des plages qui sont artificielles et la plupart des gens ne le savent pas. Les générations se croisent et ils ont un petit peu leur code. Les anciens, ils viennent jusqu'à 11h parce qu'ils sont tranquilles. Après, il y a les jeunes qui sont un petit peu turbulents, mais bon, il n'y a pas de problème, ça se gère sans problème. Et vers les 17h, il y a les enfants qui viennent avec les familles, qui viennent manger. Et tout ça se côtoie, mais chacun trouve son coin, chacun trouve ses amis quand il arrive. Alors, quand on vient au bout de 5-6 fois sur ce genre de plage, eh bien, après, on connaît la personne qui est à côté, on discute, on crée des liens. C'est super sympa. C'est, voilà, c'est pas le Club Med, mais ça y ressemble, mais c'est peut-être même mieux. C'est pas beau ? Entre les couleurs, la plage, sincèrement. On ne dirait pas qu'on est à Marseille, je pense qu'il y a des personnes qui croiraient qu'on est dans le Pacifique. C'est pas exagéré ça, c'est pas Marseillais, bon, allez, ça. Moi je suis un petit peu Marseillais, mais bon, j'ai été plusieurs fois dans les îles, dans les Caraïbes. C'est vrai que c'est magnifique, mais regardez la couleur de l'eau. Le Marseillais moyen, il va travailler le matin et l'après-midi, quand il a fini son travail à 17h, il prend sa serviette, son maillot, il est en vacances. C'est ce qui fait la différence avec les autres villes. Bon, c'est vrai qu'à Paris, ils ont aménagé les bords de Seine. Et bon. On connaît dans chaque hémisphère notre canne. Donc tu as des langoustines de Méditerranée. Je les montre bien parce qu'il n'y a pas grand monde qui sait qu'il y a des langoustines en Méditerranée. C'est magnifique. Je travaille que du Méditerranée. Sur le banc, là, le seul truc qui vient pas de Méditerranée, c'est ces crevettes. Donc tu as des couteaux. Ça, c'est des cigales de mer, c'est ce qu'ils appellent à Marseille les chambris. Ça, c'est très rare. Faites des pâtes avec ça, c'est très très bon. Ça, c'est des crevettes fraîches de Méditerranée. Loup, sauvage, dorade, Saint-Pierre, encore des petites baudroies, un barbu et des petites langoustines d'ici qu'on va faire à midi en fricassé. C'est comme le vin, je vais essayer de taper du vin d'ici. Je sais pas, le fromage, on va essayer de travailler avec des gens qui font du fromage d'ici. Les légumes, on va les acheter à des gens d'ici. On essaye d'avoir l'eau pétillante, on a essayé de trouver des gens qui font de l'eau pétillante par ici, les jus c'est pareil, en local. Mais on a des couleurs à Marseille, il faut les défendre quoi. Là mon petit frère il coupe des panis, alors c'est ce qu'on fera ce soir dans le camion avec le fish and chip. Applique-toi, c'est une poissonnerie où on mange. Je suis parti au lycée de la mer, à 7. J'ai appris à élever le coquillage et le poisson. J'ai fait un BEP d'ostréiculture. De conchyliculture même. C'est l'élevage de coquillages en général. Donc ostréiculture, mycéliculture. Et après j'ai fait un bac pro en élevage de poissons. Moi je suis un moulin à parole. Moi je parlerai avec un mort donc. Ouais. C'est peut-être ça être Marseillais, non? De tchatché? C'est important la tchatcho. Alors ici c'est un beau quartier. Ici c'est un beau quartier, vous êtes dans le 8e. Vous êtes un peu sur la promenade des Anglais à Nice. Oh
finale. En fait, on prépare ici la 8e édition de l'Open Foot Volley. Donc, qui était un mix, le foot volley, entre le beach volley, donc 2 contre 2 avec un filet haut, et des règles de football. Donc, on n'utilise pas les mains. Donc, on reçoit 15 nations. J'espère faire grandir mes enfants ici, pour qu'ils connaissent cette culture, le Provençal, le Garlaban, Marcel Pagnol, toute cette culture marseillaise. Et même si on a des traditions qui viennent d'ailleurs, mais c'est ce mélange, ce mix-là, et Panis, et les... Voilà, je vous parle de Marseille, c'est... Il n'y a pas une chose qui me vient en tête. Une chose que j'ai apprise petite et qu'on essaye nous aussi de transmettre aux jeunes, parce que je trouve que ça se perd de plus en plus, cette notion de terroir. Le Provençal, le tambourin, c'est des petits détails. C'est des petits détails qui nous ramènent dans qu'est-ce que le Provençal, qu'est-ce que V au lieu de regarde, qu'est-ce qu'on est. Puis on se retrouve même à travers Marcel Pagnol, même si on vient d'ailleurs. Et c'est l'histoire un peu des peuples. Bon, en tout cas, notre petite histoire à nous, dans notre petite famille, c'est qu'on a un pied en France et un pied en Algérie, et que notre patrie, certes, c'est la France, mais voilà, on n'oublie pas d'où on vient. C'est ce qui, et justement, on apporte cette valeur ajoutée sur la table. Et c'est comme ça que Marseille, depuis 2600 ans, est Marseille. Même quelqu'un qui arrive à Marseille à 60 ans, eh bien, il deviendra Marseillais de 60 à 100 ans. Marseille, on le devient. Il y a une force ici, il y a un magnétisme, il y a quelque chose qui n'est pas ailleurs. Et c'est vrai. Bon, il y a ce... Les excès aussi. Ces excès, mais ces excès, c'est comme vous me parlez de Fernandel. Fernandel, sans excès, ça serait pas Fernandel. Et puis comme disait Fernandel, vous savez, à Marseille, on est feignant. Quand on fait les choses, on essaye de les faire une fois. Et comme on est très feignant, on essaye de les faire bien. Il est en train de monter, là c'est l'eau qui fait tout monter là. L'eau traverse tout simplement de l'huile d'olive, un grignon d'olive, de la soude caustique, tout ça mélangé avec un peu de sel et d'eau douce, ça fait une réaction chimique, ça fait une pâte. Voilà, c'est ça un savon de Marseille, et fabriqué à Marseille. Il y a des normes? Il y a des normes, oui, il ne faut pas qu'il soit trop... Il y a trop de soude, pas assez de soude, il n'y a aucun parfum, aucun additif, rien du tout. Et fabriqué en plus par un Marseillais. Hein. Vous êtes né à Marseille, Michel? Je suis né à Marseille, oui, exactement. À Mazargues. Et les parents aussi? Non, mes parents ils sont nés en Corse. Après, ils sont descendus à Marseille. Et vous vous sentez Marseillais? Je me sens Marseillais, oui, bien entendu. Et en plus, je suis fier de faire du savon de Marseille. Mon père, il a travaillé, ma belle-mère, elle travaillait par contre à la lessive. Et c'est eux qui m'ont fait rentrer là, comme intérimaire en 82. Ça ne me plaisait pas à l'école. Il fallait bien travailler après. Hein. Moi, à l'époque, il y avait un peu plus de travail, ça c'est sûr. Là, je le laisse monter parce que là, il va monter comme une formule. Là. Il y a plein de dômes, vous voyez, des dômes là-dessus, qui montent. Regardez comme il démarre de partout. Il fait la bosse, il roule sur lui-même, le savon. Tout en subissant, regarde. C'est là. Regardez la boule, regardez ça. C'est pas magnifique. Si c'est pas un vrai savon de Marseille, ça, je mange un rat. C'est pour ça, ces savons qui viennent d'Asie, là. On sait pas ce qu'il y a là-dedans. On dirait dans la pierre, vous prenez le mien, c'est pas dans la pierre. Hein. Vous pouvez le toucher, il est un peu mou, vous le mettez avec l'eau, il a. Regarde, on fait tout avec ce savon. Avec le leurre, je sais pas ce qu'on peut faire. Pour savoir si c'est un vrai savon de Marseille, en principe, il doit avoir 6 faces de savon. Estampillé. Je suis là en ce moment, je suis comme il fait chaud, les gens ils se lavent un peu plus souvent. Je suis à 5 chaudons par jour. Oui. 5 chaudons, mais sinon en hiver ils se lavent un peu moins, les gens, donc on réduit un peu moins. Les gens, il faut savoir avec quoi ils se lavent. Avec tous ces gels douces, tout ça. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est que des choses chimiques. Hein. 51, presque 51 ans. Chaque fois je le dis et ça fait une appui. Regardez, depuis tout petit, mes parents me lavaient avec le savon de Marseille puisqu'ils ont travaillé à la savonnerie. Regardez ça. Ils m'ont toujours lavé avec le savon de Marseille. Et regardez le résultat, pas les cheveux blancs. Et c'est radical, 51 ans, pas pratiquement une ride. Je me rase pratiquement des fois avec le savon quand je me... Ah ouais, bon, vous allez voir la peau de bébé que vous avez.
Bon, je vais jeter un coup d'œil aux autres savoirs quand même. Là, je risque rien. En principe, je les ai bien réglés. Là aussi, les bien réglés. C'est bon. Allez, reste, c'est bon. Prochaine, mon ami. Aujourd'hui, moins de 10% du savon de Marseille qui est vendu dans sur les marchés est un vrai savon de Marseille tel que nous, on le fabrique. Alors, au début du XXe siècle, il y avait 90 savonneries à peu près à Marseille. Aujourd'hui, il en reste deux. Et la mienne est en délicate posture puisque je suis actuellement en procédure de redressement judiciaire. C'est vrai que c'est aujourd'hui le moment de protéger ce produit, ce savoir-faire et ce patrimoine marseillais puisque il s'appelle Savon de Marseille. Donc c'est un produit qui véhicule le nom de la ville de par le monde entier. Hein. Ça, si c'est pas un vrai savon de Marseille, ça. Moi, je m'appelle plus Michel Bianconi. Combien de tonnes celui-là il fait ? C'est quoi ? Ouais, c'est petit. C'est vrai que d'habitude on bosse avec des bateaux, ils sont beaucoup plus gros. Ça c'est petit. C'est un petit bateau ça. Je vais essayer de te faire monter, comme ça tu vas pouvoir. C'est le sucre en vrac. On extrait le vrac et après tout ce qui ne peut pas être récupéré dans toutes les ailes du bateau. Il y a les dockers qui viennent et qui ramènent au centre des cales pour pouvoir décharger le sucre en vrac par la grue. Donc après, ce sucre se cristallise, donc il faut un peu le gratter. Donc c'est un boulot un peu encore contraignant. Voilà, tu vois ce bateau rentrer un peu, tu vois ce sentiment qui peut naître un peu chez chaque docker qui veut rentrer un navire. C'est toujours un sentiment de joie, voilà. Pour arriver à un navire, c'est du travail, c'est de l'emploi. À Marseille, on avait une activité fruitière. Et donc, sur ce terminal-là, on faisait à peu près 20 000 embauches par an. On a perdu tous ces terminaux au profit des croisières qui nous apportent 400 emplois sur Marseille. C'est une volonté politique de donner un autre visage à celui de Marseille, d'occulter complètement son port industriel. Et je ne pense pas que les Marseillais vont pouvoir profiter de cette manne financière qui arrive parce que elle occulte complètement tout le monde ouvrier. La parole, c'est un acte notarié. Donner sa parole à quelqu'un, ne pas la tenir, c'est fini. On ne peut même plus venir sur le port travailler. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça existe encore. Ici, je veux dire, quand tu donnes la parole à quelqu'un, ça a encore du sens. Ça va. Ouais, ça va, ça va. Mon père était docker, mon grand-père était docker, mon arrière-grand-père était docker. Donc c'est un patrimoine qui a été légué. Comme je dis, les gens du peuple ont légué du travail. Différemment d'autres milieux sociaux, nous c'est ce qu'on se lègue, c'est le travail. Et je suis gitan, Pierre. Et fier d'être gitan. Voilà, c'est comme génération de dockers. On marche sur les traces de nos parents. On a été nourris par ce port, parce qu'à un moment donné, une journée de travail, c'était un frigo rempli. Toutes les communautés sont représentées chez les dockers, avec les Italiens, les Corses, les Arméniens, le Maghreb, les Antilles, l'Afrique, tout est représenté, on travaille tous ensemble, donc tu vas retrouver ici en microcosme un petit peu la ville de Marseille.
fait, nous, sur le port, c'est vraiment une grande famille. Comme si tu arrivais dans un village, c'est la même chose, il y a les mêmes comportements. Mais tout ça tend quand même à se diluer un peu, qu'on sait très bien qu'à l'heure actuelle, pour pouvoir lutter contre cette machine un peu qui écrase un petit peu tout ça, c'est que le retour à la vie ensemble, à la communauté, au lien, à ne pas laisser celui qui est en train de s'écrouler par terre et passer à côté, il va falloir aller le chercher. Et ça, c'est un peu ce qu'on peut faire sur les quais, parce que nous, on dit que tout le monde a sa place. Il y a quand même quelque chose de féerique quand tu regardes un peu le gigantisme des navires, des portiques. Et quand tu es enfant, dès qu'on te demande qu'est-ce que tu veux faire comme métier à l'école, tu écris « docker ». T'inquiète pas, ça fait pas mal aujourd'hui, c'est rapide. Voilà. Super. Normalement, on se revoit mardi, non? Jeudi. Bon, tu fais une visite à douce. Allez. Je suis dentiste parce que mon père voulait que je sois dentiste, médecin ou avocat. J'ai fait l'école dentaire et je me suis dit qu'après tout, ça me permet de me donner libre cours à ma photographie. Ça, c'était une commande il y a 20 ans d'Air France. Parce qu'il y avait une ligne directe, Marseille-New York. Donc pour l'inauguration de la ligne, il m'avait payé un voyage, il m'avait demandé des photos. J'aime bien les villes complètement hors normes et je pense que Marseille fait partie de ces villes. Les Américains vous diront New York, c'est pas l'Amérique. Marseille, je vais pas dire c'est pas la France, parce que je vais me faire huer, mais Marseille c'est autre chose. Ça c'est au bout de la corniche, juste avant le pont de la Fausse Monnaie. Quand elle se rétrécit, il y a ce petit bâtiment qui date du 19e siècle, qui s'appelle le marégraphe. On va essayer de retrouver l'endroit de la prise de vue. Voilà, ici. À l'intérieur de ce lieu, il y a une petite bouée, un flotteur. Et ce flotteur a pour but de mesurer l'exact niveau de la mer, c'est lui qui va générer toutes les altitudes de la France. Même aujourd'hui, où il y a un petit peu de brume, il y a une véritable explosion. Et dès qu'on va dans les autres pays de la Méditerranée, il y a une lumière blanche qui ternit un petit peu les couleurs. Alors que là, on est entre la saturation et la douceur. C'est ambigu, ambigu comme les Marseilles d'ailleurs. Hein. C'est vraiment photographié que du bleu. Puis il y a juste peut-être un petit voilier qui vient couper la ligne d'horizon. Je cours après cette lumière parce qu'en fait, je ne suis pas sûr d'être arrivé à la saisir une seule fois. Tu vas où là, Christian ? Ça, c'est la montée de la batterie. Ça monte au Casse-Blanc. Oh ouais, tu as peut-être raison, je l'ai peut-être loupé. Regarde quand on se retourne, cette vue tout de même. Bah, c'est un vrai labyrinthe, de toute façon. Comment tu veux qu'on s'y retrouve? Une chatte ne retrouverait pas ses petits. Alors, qu'est-ce que tu veux que je retrouve mes photos? Marseille intramuros, il faut savoir que c'est beaucoup plus grand que Paris. C'est énorme, c'est colossal la taille de Marseille. Paris a une superficie de 105 km². Marseille, c'est 240 km². Mais en même temps, je crois que c'est un agglomérat de petits villages. On parle des Chartreux, on parle du Roucas-Blanc, on parle des quartiers du Prado, on parle du Vieux-Port, on parle du Panier. Mais chaque fois, c'est un village qui a son identité, qui est complètement différent du village d'à côté. Donc, déjà, c'est le bordel. La première photo de mon lit sur Marseille, j'ai cherché le plus grand bordel. Je me suis dit, voilà, je vais prendre un endroit le plus en désordre. C'est tombé que c'était le vallon des Offres. C'était un bordel, il y avait des bateaux, des grues, des poteaux électriques, des éclairages, les maisons, les pizzeries, tout ça, des morceaux de bateaux en chantier. Dans ce bordel, j'ai mis de l'ordre. Et là, c'est pareil. En fait, si on prend ce poteau qu'on met au milieu de l'image, ben, ce poteau, c'est l'entité de la carte postale. C'est merveilleux de composer une image avec des fils, on dirait des portées. Entre ce petit pignon là qui est extraordinaire,
avec ces petits arbres et puis cette colline où côtoyaient les maisons des grands notables marseillais, mais en même temps plein de vieux retraités qui n'avaient pas été encore chassés par l'inflation immobilière. C'est Marseille vert, c'est les collines de Saint-Marcel, tout ça. Entre mer et colline, on est. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, il y a quelques années maintenant, c'est vrai que quand je faisais les convois, qu'on enterrait les gens, ils étaient enterrés par affinité, par communauté. Et après, avec les années, ça a commencé à changer parce que déjà, il y a le manque de place. Comme c'est un cimetière qui est en ville, donc les places sont très chères. Et donc, ça a commencé à se mélanger. Les gens achetaient, dès qu'ils avaient un caveau de libre, ils achetaient, alors ils se retrouvaient, attends, c'est un Arménien qui achetait, ils se retrouvaient au milieu d'Italiens, au milieu de Corses, au milieu de musulmans. Puis après, en plus, sur Marseille, après, ça s'est vachement métissé. Il y a eu beaucoup de mariages mixtes. Donc après, les familles, ce sont des familles mixtes. Alors, il y a les deux noms sur le tombeau, c'est musulmans chrétiens, ou arméniens et italiens, grecs. Donc ça fait que ça a changé. C'est Marseille, hein, c'est le métissage culturel, ethnique. Ils sont Marseillais. Voilà, c'est des Marseillais. Hein. Ils ont à peu près 30 ans, ces bâtiments. Et c'était les premiers immigrés qui habitaient un bidonville qui n'est pas loin à Saint-Barthélemy. Et eux, on les a fait emménager ici. Ça va, tu vas bien? Ah, c'est... Tu vas bien? Je veux boire un café. Comment tu vas? Ça va. Alors, c'est une des Françaises qui habite à la Busserine et qu'on prend toujours pour une arabe. Tu es une malade. Tu te rappelles, dans le bus? Alors, on est... qu'est-ce qu'elle t'a dit, la femme? Il y a moi? Sale kabyle. Avant, on avait le délit de faciès. Aujourd'hui, on a le délit d'adresse. Le délit de l'adresse, ou de ton domicile, où tu habites, où tu aimes vivre, eh bien, pour les autres, c'est une tache noire. Demande à Nena si elle peut me préparer du café, s'il te plaît. Là, c'est la mosquée. Et là, ce sont les femmes qui viennent au cours. Ça va, les filles? Ça va? Tu vas bien? Avec l'association, en 98, quand on l'a créée, les enfants, ils étaient petits à 16 ans. Donc, toutes ces mères de famille avaient et des enfants en bas âge. Aujourd'hui, 2013, les enfants ont grandi. Ils sont ados et adultes. Et aujourd'hui, elles veulent l'autonomie par le travail et donc par la voiture. Il faut savoir que Bassens est servi par un seul bus, le 38. Voilà, ah ouais. Pour aller tôt à la voiture, on met 10 minutes. Ouais. Je pense que pour y aller en bus, il faut mettre une heure et demie. Ah oui, c'est l'heure. Alors là, c'est l'annexe de mon bureau. Ça me sert pour l'écriture. Et en même temps, tu sais, la confidentialité. Ici, c'est le terrain, si tu veux. C'est la salle polyvalente de Mad. Là. Voilà. Ben, là, c'est les petits de Bassens qui ont fait les plantations. C'est les gamins du quartier avec les personnes âgées. Et quand c'est fait par toi-même, pour toi, eh ben, ça marche. Et il n'y a pas de graffiti, et c'est pas coupé, et c'est pas cassé. Parce qu'il y a un grand journaliste que je n'aime pas d'ailleurs, hein, qui dit que ça sert à rien d'arranger les banlieues, d'arranger les cités, parce que le lendemain, ils cassent tout. Ça va faire 5 ans hein, qu'on l'a fait, ça. Voilà. Et ça n'a pas bougé. Parce que ce qui se passe sur ce quartier, sur ce territoire, c'est qu'on est entouré de 855 entreprises. Et que jusqu'à maintenant, allez, il y a eu 1 à 2% de personnes de Bassens qui y travaillent. Et j'ai 49 ans, et j'ai grandi en voyant la zone monter, pleine de voitures arriver, toujours presque les bouchons le matin, mais ceux de Bassens, ce n'est pas y travailler. Non, regarde, ah, ça va. Là, ça va, c'est bien. Ah, merci. Je regarde toujours les lettres qu'elle m'amène. Si elles sont blanches avec des petits trucs, j'ai l'angoisse. Et quand je vois des couleurs comme ça, c'est bien. C'est bien, tu parce que ça m'a une publicité. Voilà. Ça va, Evelyne, tu vas bien? La femme, aujourd'hui, de n'importe quelle origine, hein, ou de n'importe quelle catégorie sociale, elle a 6 épaules. 6 épaules. Elle travaille, elle fait les courses, elle va chercher les petits à l'école, elle s'occupe des factures, elle s'occupe de la poste, elle s'occupe du code. On change la vitesse quand on met la première.
qu'il vous fallait? Ça va? Il y a beaucoup de commerce dans le quartier? On a trois boulangeries. Trois boulangeries? Oui. Alors ça vous fait de la concurrence, ça? Mais si les commerces y ferment, le problème c'est que les personnes, il faut qu'elles aient quand même un petit peu de choix. Il est évident que j'aurais été mieux si j'étais toute seule. Mais en fin de compte, c'est pas bien non plus, parce qu'il faut qu'il y ait du choix. Là, l'avantage, c'est que dans le quartier, il y a forcément une boulangerie d'ouvert tous les jours. Voilà, là, vous arrivez dans le quartier de Saint-Martin. Là, il n'y a plus du tout de magasin, alors qu'il y en avait plein avant. Vous voyez, c'était tout c'était des commerces qui ont fermé. Vous voyez, il y a encore le truc de la crèmerie, mais c'est fermé. Alors, c'est dommage. Et le seul qui reste, c'est le PMU, là, le bar PMU, qui fait beaucoup, beaucoup de choses pour faire vivre le quartier. Vous voyez, moi, je suis née au Portugal, dans une petite ville à côté du Porto, qui s'appelle Passos de Ferreira. Et vous avez quand même l'accent marseillais. Ah ben j'espère bien. Il est pas bon mon accent. Je travaillais pour une société de Carcassonne, chaque fois ils rigolaient, chaque fois que j'arrivais. Ils me disaient ça fait poissonnière, je dis c'est pas grave. Voilà, là on arrive à la place Thiard. C'est la place aux huiles. Voilà. Bonjour les garçons. Bonjour. Ça va chérie? Ça va. Bonjour fille. Oui. C'est marrant quand on parle de Marseille, surtout nous qu'on est de Marseille, on a les frissons. Un peu partout, tout le monde dit que la plus belle ville du monde est sans doute Paris. Ça ne me vexe pas, au contraire je ris. J'instaure le débat et je vais être précis. Y'a pas d'enfer, y'a pas de paradis. Moi j'aime ma cité et c'est pourquoi j'y vis. Dans la compétition au titre par catégorie. Si Paris est la plus belle, Marseille est la plus jolie. La canne bière, le Neubourg et Notre-Dame de la Garde. Vous avez laissé la voiture allumée? Oui. Moi, j'ai pas peur qu'on me la vole. Il n'y a pas de voleur dans le 7e. Tout le monde se connaît. Ils savent, de toute manière, même ils m'engueulent même pas parce qu'ils savent que c'est la mienne de voiture. Tous les gens qui passent, qui montent chez eux ou qui passent, ils savent que c'est la voiture de la boulangère, donc ils me disent rien. Même pas, ils m'engueulent. Bon, mais voilà le cabinet, la petite rue. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'arabe mort au coin de la rue. Dans ma vie, j'ai fait à peu près 20 mètres. Ouais, il devait y avoir à peu près 20 mètres entre l'école communale où j'allais quand j'étais petit et mon cabinet. Donc là, vous avez M. Régio qui sort de la consultation de mon associé. Donc vous voyez qu'il a l'air bien, hein, il n'a pas peur, il n'a pas gilet pare-balles, tout a l'air d'aller bien, quoi. Voilà, je suis un peu en retard, hein. Voilà, je suis un peu en retard, mais pas beaucoup. Ce qu'il y a de rigolo, il n'y a pas de noir et d'arabe aujourd'hui. Il en faudrait un pour le quota, il en faudrait un. Hein. Allez, on y va. Alors, oh là là, la poupe. J'ouvre vers 1h30 et jusqu'à 8h30, 9h, les gens rentrent, il n'y a pas de rendez-vous. Donc c'est le vrai cabinet ouvert de médecine générale, si tu veux. Je suis un médecin de famille, moi je les connais depuis peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je ne sais pas si tu as pu croiser de mes patients ou peut-être c'était déjà mon père qui les soignait. Donc moi je revendique un petit peu ce côté médecin de famille. Médecin de famille et puis beaucoup de respect aussi pour ce tissu ouvrier marseillais qui est là, qui a beaucoup, beaucoup travaillé, bon, qui travaille un peu moins en ce moment parce que la situation économique n'est pas simple. Il y a beaucoup de gens qui ont peu de moyens. J'ai beaucoup d'attachement pour ces familles-là. Entre, assieds-toi. Toi et Naomi Campbell, on dirait sans décoller. Hein. Par contre, il y a un souci, c'est que je ne fais pas les noirs l'après-midi. Et je peux plaisanter. Ouais. Allez, les femmes en burqa, je les appelle les belles fégores. Alors, ça les fait rire. Donc, quand il y en a plusieurs, j'ai le club des belles fégores pour vous mettre dans un coin, etc. Ça les fait rire parce que pour la plupart, je les connais depuis des années. Et qu'il n'y a aucune. Pour moi, c'est très familial. Voilà, l'ambiance, tu as vu, elle est familiale. Donc, moi, je peux me moquer d'un black que je connais, que j'ai vu naître, ou d'une petite jeune qui vient avec sa burqa. Puis, en plus, pour moi, c'est un mode de fonctionnement. Ils m'ont toujours connu comme ça. Donc, j'ai toujours fait un peu le pitre, quoi, si tu veux, avec mes patients. Tout en étant très sérieux dans le cabinet après, par contre. Ben, l'arabe, ça tombe bien. Ouais, attention. C'est vrai que parfois, ma salle d'attente, c'est l'ONU, quoi. Je vais avoir tout un tas de colorations, black, maghrébine, etc. Et tiens, je vais te raconter une anecdote qui m'a un petit peu perturbé l'autre jour. J'ai une petite gamine que j'ai vue naître. Son mari, je l'ai vue naître. Et puis, je l'ai vue avoir un petit chapeau, puis une burqa. Ça ne me dérange pas. Elle fait ce qu'elle veut. Mais l'autre jour, elle m'a choqué parce qu'elle m'a dit, « Docteur, à l'avenir,
ça vous embête de ne plus me faire la bise, je préférerais qu'on se touche la main. Alors là, je me suis un peu énervé quand même. Je lui ai dit qu'elle avait rien compris et que l'embrasser comme je l'embrassais quand elle était petite fille, pour moi, c'était tout à fait naturel et que si à partir de maintenant... D'ailleurs, elle m'a dit, ça vous fait râler? Je dis oui, complètement. Ça, en plus que ça me fait râler, ça me met en colère. Je crois qu'il n'y a aucune raison que je t'embrasse pas, je t'ai toujours embrassé depuis que tu es petite. Donc le fait que maintenant tu portes une burqa, je m'en fous, mon winchador, je fais ce qu'elle veut. Mais pour moi, il n'y a aucune importance, tu es toujours la même petite fille. Voilà, donc je me suis un peu attrapé avec elle. Je crois qu'elle l'a compris, elle a senti qu'elle m'avait mis un peu en colère, ce qui est assez rare de ma part. Eh non, mais quand elles sont jolies, je les garde plus longtemps, c'est normal. Ça va, Blond? Entre chez toi. Eh oui, c'est normal, non? Ça fait longtemps que vous travaillez avec... Avec Olivier? Ouais. Presque 18 ans. Waouh! Et vous êtes de quartier? Oui. C'est le papa d'Olivier qui m'a mis au monde. À mesure que la paix de nos quartiers s'éloigne, s'installent des discours qui font peur, j'en témoigne. Qui donc possède-t-il le remède qui soigne? Quel est le bon dosage de douceur et de poigne? En tout cas, on n'a pas le droit d'évoquer le non-lieu. On est tous coupables de ne pas ouvrir les yeux. On est trop minables et l'on voudrait tous croire en Dieu. La violence chez l'homme est un crime odieux. Sortie base pour contrôle nautique et infraction éventuelle sur la rade de Marseille. J'ai l'impression que le Zodiac il sort un peu fort là, non? À quelle vitesse vous sortiez? À 3-2. Sûr? Il n'y a pas d'écume derrière, papa. Nous, on a vu l'écume, hein, c'est pour ça qu'on vous contrôle. On a vu l'écume. Est-ce que vous avez un gilet de sauvetage à me présenter, s'il vous plaît? J'en ai 3. Je vais me présenter. Et quand vous êtes en mer, vous nous présentez vos originaux, d'accord? Hein? Ouais, mais le problème, voilà. C'est bien. Parce qu'à bord, vous avez vos... sur le bateau, le petit bateau. Non, mais il faut les avoir sur soi. D'accord? Ok? Voilà. De toute manière, on vous voit souvent sur l'eau, donc on sera amené à se rencontrer. Voilà. Donc j'espère, je vous fais confiance. Allez, ça va, hein? Ça sera fait. D'accord, régularisé. Allez, voilà. Bonne mer. Merci. À Marseille, il y a deux endroits où on est tous pareils, on est tous à nos propres frères. C'est les plages et puis c'est le stade Vélodrome. Et le stade Vélodrome, la particularité, c'est qu'il arrive au moment donné où c'est une osmose totale. D'ailleurs, moi, je me rappelle y avoir fait de la surveillance policière et d'avoir vu dans les loges VIP hein, des dames d'une cinquantaine d'années en Chanel se mettre à vociférer pendant une demi-heure, mais se mettre à crier des noms de tous les impressionnants. Et à partir du moment où on l'a regardé, se mettre en retrait et dire « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Je veux dire, c'est un défouloir. C'est quelque chose qui est impressionnant. À un certain niveau, hein, au stade Vélodrome, ben, on est tous pareils, on est tous derrière notre équipe. On essaie de leur apprendre les règles, enfin basiques, ils les connaissent la plupart, mais surtout les valeurs qu'il y a autour des sports en général, dans que ce soit moi avec le foot ou les autres sports qu'il va avoir, que ce soit le baseball, c'est plus les valeurs en fait qu'on cherche à mettre en place, donc le respect, savoir jouer en équipe, hein. Plutôt ça que la pratique du sport en elle-même. Donc déjà bonjour tout le monde. Bonjour. Ryan, casquette. Nolan, casquette, vous allez prendre un ballon chacun. On va partir en conduite à l'intérieur de là. Ah, top, pas fini. La zone là, délimitée, cette ligne blanche, les trois lignes blanches, plus la ligne de plomb blanc. C'est parti. Sans se presser, on prend le temps pour savourer. Aujourd'hui, les Marseillais de toute communauté on pousse. Ont besoin d'espace pour se rencontrer. Si on voulait vraiment embellir notre cité, il faudrait un marché du soleil dans chaque quartier. La fracture sociale et spatiale qu'il y a dans la ville, ça se fait sentir quand même entre les quartiers nord et les quartiers sud. Ben, j'espère que dans l'avenir, la fracture, elle s'amenuisera pour qu'on soit plus à Marseille plutôt que des Marseilles, parce que sachant que c'est surtout une ville de petits quartiers, en fait, et chaque coin a sa spécificité, mais que ça donne une unité à la ville et non une fracture. Je pense qu'intégrer dans Marseille, c'est plus facile qu'ailleurs, je pense. Il y a un melting pot tel que on se retrouve forcément. On retrouve forcément une caractéristique autre
et on peut vite s'y attacher. Envoie Chaïd. Et après là, c'est parti quoi. Le processus est en marche et la socialisation marseillaise est en route. D'un mariage mixte, ça a permis à tout le monde de s'identifier au travers de moi. Quoi. Le maître, c'est comme tout le monde. Comme je dis souvent, j'ai bien me définir, ça fait souvent mes amis, je dis que c'est couscous jambon beurre. C'est un peu de couscous, c'est un peu le jambon beurre de Normandie. C'est quoi les dates de la Deuxième Guerre mondiale? Maître, s'il vous plaît, moi. Si j'entends, s'il vous plaît, moi, je t'interroge pas. Je peux souhaiter. 1939-1945. Une famille au travers de la guerre, et tu fais la leçon d'histoire au départ, ça reste assez personnel. Donc moi, j'ai eu l'idée d'utiliser mes grands-pères, mes arrière-grands-pères, mes oncles, qui ont tous participé à chacune des guerres. Alors lui, c'est grand-pépé Afsi. Donc lui, il venait d'où? D'Algérie. D'Algérie. Évidemment, d'un coup, les minots, ils se disent, c'est le grand-père du maître. Tu vois Pépé Dussault, Pépé Cellier, avant de partir en 14-18, mon grand-père algérien, il y a le côté couscous Algérie et le côté normand, le jambon beurre, le beurre, quoi. L'Algérie. À l'époque, c'était quoi l'Algérie? C'était un département français. Ils sont allés faire la guerre. Pépé Afsi, grand Pépé Dussault Cellier, Pépé Dussault, ils sont obligés de faire un service militaire, c'est comme ça, c'est la loi, c'est normal. Donc lui, quand la guerre d'Algérie commence, il a 19 ans. Il est obligé de faire un service militaire. Qu'est-ce qu'il fait son frère? Il va participer. Dans le groupe FLN. Il se retrouve dans le FLN. Donc il y en a un qui est dans l'armée française. Donc lui, blessé. L'autre, il est dans le FLN. Est-ce que c'est un problème pour leur père? Oui, c'est un gros problème. C'est un gros problème, pourquoi? Parce qu'ils veulent pas que leur fils il refond la guerre. Pire que ça encore. Ils se retrouvent l'un contre l'autre. Donc là, pour mon grand-père, ça va être un problème très important parce qu'il va se retrouver avec Mohamed Chérif, FLN, qui va se retrouver emprisonné, et son autre fils, mon oncle, mes deux oncles, qui se retrouve aussi, lui, blessé militaire, mais français. C'est une famille au travers des guerres. Donc là, Afsi, Dussault, Cellier, tout le monde concerné. Dussault, Cellier, Afsi, pareil, encore concerné. Tiens, Marcel, ta soeur, elle est née où? Ici. Donc, tu es quoi? Un Français. Tu es Français. Et Turc. Tu as des origines turques. Alors, tu nous as dit de ne pas concerner, mais la Turquie, est-ce qu'elle a participé à la première, à la Deuxième Guerre mondiale? Oui, oui. Tu vois, est-ce qu'en Turquie, il n'y a pas eu un personnage très important? C'est lui qui va le dire. Mustafa Kemal Atatürk. Qu'est-ce qu'il a fait, Mustafa Kemal Atatürk? Il a rendu la Turquie moderne. Moderne. Qu'est-ce qu'il fait encore aussi? Il libère les femmes du foulard. Comme Bourguiba. Au travers de cette leçon, c'est vraiment. Voilà, tout le monde appartient à la République française. C'est ça, en fait, que je veux transmettre. Que ce soit blanc, beurre, noir, vert, rose, tu vois, je dis rose, bleu, toutes les couleurs. C'est, tout le monde est concerné en fait. J'avais une directrice qui est pure 100% marseillaise, quoi, de l'Estac. Là. Et elle m'avait dit, en fait, t'es trop impatient. Et moi, j'avais dit, mais comment je peux faire pour que ça bouge, quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça avance? Et je voulais que ça aille vite. Moi, je voulais les voir tous réussir en avant, quoi. Et, allez, on travaille, vous allez y arriver. L'école est là pour ça, moi, je suis là pour ça, et ainsi de suite. Et elle me dit, tu n'y arriveras pas comme ça. Elle me dit, c'est du travail de fourmi. Elle avait raison, en fait, ça fait maintenant, comme je te disais, 16, 17 ans, 18 ans, que je suis dans le quartier Nord. En fait, elle a tout à fait raison. J'ai été obligé de m'y mettre, quoi. C'est le travail de fourmi. Et je me suis adapté. Il y a un programme qui s'est fait sur la ville de Mal, enfin, sur le programme de l'éducation nationale. Il y a 25 petits Marseillais qui peuvent bénéficier des internats d'excellence. Et là, cette année, j'ai un élève vraiment qui est vraiment excellent. Quoi. Et ce petit, je me suis dit, c'est pour lui. Quoi. Et là, depuis une semaine, on sait qu'il est pris dans l'internat d'excellence qui est à Barcelonnette. Et souvent, je leur dis ça en classe. Hein. Je leur dis, si moi, j'y suis arrivé à apprendre l'anglais, à apprendre la musique,
à faire des trucs, à voyager à travers le monde. Si moi j'y arrive, vous, j'y arrive aussi. Hein. J'ai rien de plus que vous, moi. Je suis pareil. Hein. C'est la même sorte. Hein. Si vous vous donnez la peine, il faut être tenace, quoi. Bon, on peut envoyer là. Donc là, voilà, on est sur de l'acajou, tomate, basilic qui est en sortie de cousson. Bon, l'essentiel c'est de regarder qu'on ait, que les fruits soient pas trop ouverts quoi, et qu'on ait une cuisson qui soit correcte. Là, on voit les petits morceaux de cajou à la truffe. Là, on va râper le reste à la râpe. Donc, c'est quand même de la truffe que l'on va chercher à Allemagne en Provence. Hein. Nous, on a voulu se démarquer et faire vraiment une truffe d'ici. L'entreprise existe depuis 91 ans, cette année. Donc, elle a été créée par mes grands-parents à l'origine. On est d'origine arménienne. Ils sont arrivés avec le génocide à Marseille. Et là, ils sont installés. Ils ont commencé à faire effectivement des produits alimentaires. Donc, ce qui était assez amusant, c'est qu'ils avaient au départ un magasin de traiteurs qui s'appelait La Gauloise. Pour des Arméniens, la Gauloise, c'était un peu amusant. Marseille s'est chargée, effectivement, dans une époque beaucoup plus prospère, d'intégrer assez facilement les Arméniens, qui se sont assez rapidement, pour une grande partie, rendus compte qu'il n'y aurait pas de retour au pays. Donc, nous, par exemple, on est assez typique d'Arméniens, où mes grands-parents ne nous parlaient jamais arménien, dans le sens où, pour eux, il fallait rester ici, donc il fallait s'intégrer. Donc il fallait travailler, il fallait parler la langue. Pour eux, il était important qu'on soit pleinement intégré parce que on était chez nous. C'est un petit peu sucré, non ? Il y a des noix de cajou. La graine de sésame. Quand je dis qu'on allait faire un film, ma mère m'a dit non, tu es fou, il faut pas faire parler de vous. 80 ans après, il y a toujours cette image dans l'esprit des Arméniens de dire faites votre trou, travaillez, mais vous n'êtes pas là pour vous mettre en avant particulièrement. Voilà, on a 97% des palaces français en clientèle et c'est de Marseille que ça part. Pêche un peu. Là ouais, ça pêche un peu, ça a repris les droits. Bon alors je vais te prendre des crabes déjà là. Hein, tu veux quoi, des fabouillettes ou des... Je vais me les choisir. Non, depuis je vais les choisir. Tiens, je te laisse faire, on te laisse. Allez, les gars. Salut. Salut. Salut bonhomme. T'as pas plus gros? Tu veux plus gros? Ouais, j'ai des plus grosses. Ouais. Ça c'est pour quand ça? Tout à l'heure, quand on a fini. Une journée, si j'ai une heure avant le coucher du soleil, je vais essayer d'attraper une dorade ou deux au port de Somachi. Du coup, je choisis mes crabes parce qu'il me faut des couleurs différentes. Alors que j'ai une heure de pépère, je prends une canne là derrière et je vais pêcher en face. Bon, il n'y a pas trop de pollution? Ah, si, hein, c'est pourri. Hein. La mer, elle est sale. Les marins pêcheurs, ils font pas gaffe. Les industriels, ils font pas gaffe. Le gars va faire sa vidange à côté, il va prendre son bidon et va le vider dans un coin du port. Le marin pêcheur basique, il va dégazer, il va nettoyer son bateau au mazout, alors que c'est interdit. Et tout le monde, le gamin, il va manger son sandwich, il va jeter le papier sur la plage. Et le papier va être amené par les vagues et finalement, ça va rester pris dans une gorgone où un poisson va le bouffer et il va mourir. Tout simple. Et ça, fois 1000, fois 10 000, fois 100 000, bientôt, c'est sûr qu'à Marseille, on attrape des poissons comme ça. Tiens, mais...
On les montre pas. On les garde pour nous. André, 5, surtout qu'on les a pas marqués. Vieni, vieni. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Vedi la cucina pareil, hein? Via, via. Sigale de mer. Neanche questo tempo grigio. Sauvage, oh, putain. Pieno di musiche. C'è della Baudroie. E di uomini che ti sono piaciuti. C'è du Merlin. It's wonderful, allo, it's, Blanc, it's wonderful, it's wonderful. En direct. Quand il n'y a pas de monde, je stresse parce qu'il n'y a pas de monde. Et quand il y a trop de monde, je stresse parce qu'il y a trop de monde. Donc, à partir de là. En fait, toi avec tes poissons, tu défends les couleurs de Marseille comme l'OM. Ouais, le Zinedine Zidane du poisson. Qu'on a ici, c'est qu'il y a très peu de plages, donc les gens généralement ils se jettent des rochers à l'eau. Donc premier accident qu'on rencontre, ils se jettent à l'eau mais ils n'ont pas vu qu'il y a un rocher pas loin, donc ils se fracassent sur un rocher. Ou alors ils se jettent à l'eau, ils n'ont plus la possibilité de monter parce que bon, sur la roche, elle est assez, surtout là-bas, elle est acérée. Donc on a ce qu'on appelle des dentelles, il y a les moules, et ben quand ils remontent, généralement ils se découpent bien, ils n'arrivent pas à remonter. Donc ça te change de la Lorraine, puisque je crois que tu ah ouais, es la Lorraine. Oui, 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 je suis Lorrain, ben oui. Oui, oui, ça, c'est pas tout à fait la même région. Puis alors toi, tu as pris l'accent complètement, là. Alors pas complètement, les purs Marseillais te diront que je suis un étranger, parce que j'ai encore quelques consonances d'accent pointu, comme on dit si bien à Marseille. Mais le problème, c'est que quand je rentre en Lorraine, si tu veux, on me dit que j'ai l'accent marseillais. Donc j'ai plus trop l'accent lorrain, j'ai plus trop l'accent marseillais, mais... Donc je suis intégré. Qu'est-ce que tu penses de l'image de Marseille qu'on voit à la télé ou qu'on entend à la radio ? Ben disons que c'est qu'une seule image qu'on veut donner de Marseille, quoi. C'est une image d'une ville dangereuse, d'une ville de criminels. Mais c'est qu'une partie de Marseille. Mais toi, tu te sens Marseillais ? Oui, au fond de moi, oui. Au fond de moi. Ben, je suis papa d'une petite Marseillaise, marié avec une Marseillaise. Mes meilleurs amis sont Marseillais. Je travaille à Marseille, je vis à Marseille. Donc je suis un petit étranger et je suis surtout un Marseillais d'adoption. Mais les grands-parents, c'est un peu dans l'histoire marseillaise, c'est une ville, c'est un patchwork. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents venaient d'Italie, venaient de Florence. Voilà, il est très très rare que ce soit des Marseillais de 4e voire de 5e souche. La plupart des Marseillais, ce sont des gens qui sont arrivés il y a 10 ans, il y a 20 ans. Oui, transmet. Discutez face à moi entre la bouée blanche et la bouée jaune dans la Drupe. Mais ok, tu peux déclencher en bois. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Ben là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté, qui est fatigué, donc ben voilà, c'est l'intervention. Il faut toujours anticiper. Je suis persuadé qu'à l'arrivée, il y a une chance pour deux qui nous disent ben, qu'il s'en sortait bien, mais en fait, il n'était pas bien. Mieux vaut aller le ramener et le voir rouspéter parce qu'il va nous dire qu'il était très bien, qu'il perd un peu la figure, mais moi, on est tranquille, on sait qu'on le ramène. Ouais. Alors Marseille, pendant des années, et encore jusqu'à une quinzaine d'années, c'était une ville de travailleurs. C'est-à-dire Marseille, c'était le port. C'est des tas de gens qui venaient de tous les pays, qui s'installaient pour travailler. Donc, quelque part, le tourisme n'y avait pas sa place. Ben, les gens, au début, ils avaient un peu peur de la réputation sulfureuse de Marseille. Mais là, depuis quelques temps, ben, les gens y viennent. Voilà. Et on voit sur la plage, ce qui est un petit peu nouveau, ben, des touristes. On voit des Russes, on voit des Anglais, on voit des Hollandais qui viennent nous voir. Et sincèrement, ça nous fait plaisir. Et ils sont tous étonnés parce que... Ben, ça discute à côté. Alors à Marseille, l'avantage qu'on a, c'est qu'on parle toutes les langues, puisqu'on parle avec les mains, hein, donc on arrive à parler avec tout le monde. Attends, je monte avec toi. Voilà. Quand on a reconstruit Bassinceau, ça a été cassé, tu sais, l'ancien. Et là, on nous a laissé, tu sais, les plaques de béton avec toutes les
les remblais, tout ça, et on nous a laissés ici, sur cette belle parcelle. Et ça va faire à peu près 12 ans qu'on demande à ce qu'on vienne nous les enlever. Et on y a réussi. Et regarde, tu vois, parce que là, c'est le chemin de l'école pour aller à Servières. Et les petits, regarde, aujourd'hui, eh bien, ils traversent normalement. D'habitude, il fallait faire comme une grenouille. Il fallait qu'on saute. Et là, regarde, voilà. Ça démarre parce qu'un ministre de la politique de la ville est venu et il a été obligé de traverser le chemin de l'école avec les deux buts. Et il marchait comment? Comme ça. Parce qu'il avait peur de tomber. Et le fait de marcher comme ça, il s'est rendu compte de ce que nous, on vivait. Et ça donne ça aujourd'hui. Voilà. Ben, j'espère que ça va continuer. Il nous faudrait un autre ministre qui vienne chaque année. Et je crois qu'en moins de 3 ans, ben, on aurait tout fini à Bassens. Ma cité, avant, j'ai grandi comme ça, tu vois. Et c'est une photo fétiche pour moi. Voilà, c'est mon père, ma racine. Notre père, il nous parlait de Mohamed, notre prophète, salam alayhi wa sallam. De Jésus, notre prophète aussi, et de Moïse, et de Bouddha. On avait un livre de Krishna à la maison. Et cet homme-là nous parlait, il nous disait qu'il n'y avait aucune différence parce que c'était le même Dieu. Et qu'il ne fallait surtout pas qu'on critique ou qu'on accuse l'autre. Et je t'assure que l'antisémitisme, le racisme, l'islamophobie, l'homophobie, tous ces mots avec phobie disparaîtront. Disparaîtront. Parce qu'on va apprendre à l'autre à ne plus être différent. Ou même à connaître la différence et à l'accepter. Mais depuis tout petit. Parce que certains parents éduquent les enfants selon leurs croyances. Mais ça sera à l'école que tout va être partagé. Parce que l'école, c'est neutre. C'est un mot qui le dit, c'est laïque. Et c'est là qu'on peut faire les choses pour les enfants de demain. Ce que je voulais dire, c'est que je me sens marseillaise à 300%. Tu vois, avant, à Marseille, on dit, avant de dire je suis française, appartenir à une patrie, appartenir à une nation, on appartient d'abord à sa ville. Et quand tu dis que tu es marseillaise, tu le partages avec 800 000 personnes. Et quand tu dis que tu es marseillaise, ça veut dire que tu n'es plus seule. Ma mère est marseillaise, mon père non, d'origine polonaise. Oui, vous avez un nom comme moi. Vous êtes polonais, vous? Ouais, d'origine, mes grands-parents. Bon, mon grand-père, il est né en Meurthe. Mon père est né en Meurthe-et-Moselle. Par contre, après, tout le reste de la famille est en Pologne. Nous, on ne parle pas par arrondissement ici, on parle par quartier. La Rose, moi, avant, j'habitais à La Rose. On ne disait pas, je suis du 13e ou du... Comme des fois, vous voyez ailleurs, quand ils vous disent, je suis du... Je sais pas moi, du 17e à Paris, ou du 13e, ou du 75, ou tout comme ça. Nous, on dit vraiment, on est de tel ou tel quartier. Voilà, d'Andoum, du Panier. En plus que je l'ai comme cliente, je l'ai comme voisine. C'est-à-dire que je surveille quand elle s'en va à congé, je surveille la maison. Parce que même quand on a des étrangers ou que, là par exemple, les pharmaciens sont un couple de Parisiens qui sont arrivés, on les a vite intégrés. Moi, je parle facilement. Voilà, Bert, il parlera un mur. On parle trop même des fois. Mais bon, c'est agréable, il faut le dire. Parce que si on va ailleurs, des fois, les gens, ils sont pas sympas. Hein. On ne peut pas causer facilement avec eux. Alors qu'ici, on aime bien parler. C'est comme ça. Vous avez senti une évolution? Moi, personnellement, non. Mais c'est vrai que quand mon fils... J'ai un fils de 20 ans, quand il sort, si vous voulez, bon... On ne lui prend pas la tête en lui disant « Fais ci, fais... Ne va pas ci, ne va pas là. » Mais c'est vrai que, bon... Si à 11h le téléphone il sonne, si vous voulez, je fais un bon, j'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose, un truc comme ça. Bon, mais enfin, je pense que si vous avez un fils de 20 ans à Paris ou à New York ou à n'importe où, bon, vous devez vous faire du mauvais sens aussi. Hein. Moi, dans mon entourage proche, si vous voulez, la personne qui s'est fait tirer dessus avec une Kalachnikov. Hein. Ils se tirent dessus entre eux, surtout moi. Donc, bon, ça fait partie des risques du métier. Il y en a un qui travaille, et ça qui regarde. Il y en a un qui travaille, et ça qui regarde.
C'est la mairie, ça, c'est Marseille. C'est des petites Marseillaises. Eh oui. Moitié-moitié. C'est moitié-moitié Marseillais, moitié... Russe. Russe. Ah, oui. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Il y en a qui m'appellent Tati, que j'ai vu naître, et qui sont grands maintenant. On a eu les résultats du bac, tout le monde est venu nous le dire, c'est amusant. Je suis contente. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Fabre. Et oui. Voilà les enfants. 3,40. Merci. Petit, elle vient d'arriver dans le quartier depuis 7 mois. 7 mois ? Oui. Et le quartier lui plaît, mais Marseille ne lui plaît pas. Non. Il y a un manque d'incivilité, la ville est sale, j'ai été agressée. Là, même moi, là, handicapée, c'est moi qui me pousse pour laisser passer les gens, ils ne me disent pas merci. Non, moi, j'en peux plus, hein. Marseille, c'est bon. Hein. Alors que dans le Nord, vous ne trouverez pas ça. Les gens sont beaucoup plus accueillants. Ils n'ont pas le soleil, certes, mais ils ont le soleil dans le cœur. Ici, c'est... ils aboient. Non, c'est pas possible, quoi. Mais Bruxelles, ça fait... C'est... Bon, quand vous partez mais pas à Bruxelles... Mais vous connaissez pas Bruxelles. C'est joli comme tout. La grande place. Bon, c'est vrai que le McKenzie... On n'a pas l'eau, on n'a pas comme nous. Elle aime pas la plage. On a pas... J'aime pas la plage. Elle aime pas l'eau. Mais vous avez vu ce qui s'est passé à Marseille, à la plage? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils ont tabassé un policier. Il est à l'hôpital, le policier. Je sais pas au courant. Ils en ont parlé à TF1. Ouais, mais c'est dans toutes les villes. Non, je regrette. Autant d'incivilité. Ils ont voulu le noyer. Ils l'ont tabassé. Il est à l'hôpital, hein. Alors que ce marin-pompier, il faisait que son travail. Je sais pas où. Mais où on va? Là, je regarde si où sont les bateaux pour aller pêcher ce week-end. Parce que là, c'est l'époque, ça va commencer la dorade, tout ça. C'est des postes bien précis. Et tu vois où ils sont, où c'est que ça mange, et samedi, tu y vas. Je vais te montrer tout à l'heure, là-bas. La barquette est à l'image des Marseillais. C'est un savant mélange de plusieurs charpentiers de marine qui sont issus du pourtour méditerranéen où chacun vient apporter sa science, son savoir-faire, sa forme. Ça fait qu'on a un bateau qui a plus de 2 siècles d'histoire. Si ces bateaux sont encore là à notre époque, hein, c'est que s'ils avaient été mauvais au niveau du plan d'eau, au niveau de navigation, au niveau de l'architecture, ils auraient disparu. Un bateau qui a plus de 2 siècles d'histoire. Et peut-être que c'est ça aussi Marseille, hein. On vient tous partager notre histoire et on essaie de bâtir quelque chose de paradoxal parce qu'on est d'abord Marseillais, après on est Français, ou d'abord Marseillais, après fils d'Italien ou de Juif ou d'Arabe, et après Français, ou, enfin c'est assez compliqué, mais bon, on est Marseillais d'abord, hein. Voilà. C'est pas des bateaux qui ont été faits en série, où ils ont tous la même porte, le même loquet, le même plat-bord, le même accastillage. C'est ce qui fait un petit peu la singularité. Chacun a sa couleur, a son style à lui, quoi. Alors, est-ce que c'est pour la pêche, pour la balade? Est-ce que c'est pour naviguer à la voile? Est-ce que c'est juste pour manger la pizza et boire le pastaga dans le vieux port? Et c'est aussi une façon de crier haut et fort son symbole et son identité aussi d'avoir une barquette. Hein. C'est le chez Marseillais, quoi. Quand on vient de loin, quand on atterrit ici, il faut fatalement aller retrouver des gens qui aussi sont venus de loin et qui ont déjà partagé quelque chose ici de fort et qui ont besoin de repères. Donc on va fatalement vers des gens qui ont vécu le même parcours, comme probablement mon père l'a vécu, hein. Se retrouver avec des communautés espagnoles, communautés italiennes,
Et c'est cette fraternité-là qui est peut-être introvertie, hein, qui est un petit peu cachée, parce que quelque part on a honte de venir de là où on vient pour refaire sa vie. Hein. Mais en même temps, on retrouve des liens forts à travers toutes les communautés et on a la possibilité de se refaire et de retrouver une identité et un caractère et une place forte. C'est ça, Marseille. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. Si je te disais qu'on est au bout du bout du monde, tu pourrais me croire parce que c'est vrai. Et en même temps, chose surprenante, c'est qu'on est dans le 8e arrondissement de Marseille. C'est-à-dire que le même arrondissement que le boulevard Perrier, la place de Libre et le Prado. C'est le même arrondissement à 10 km de là. Et donc on est à la baie des Singes et on est dans une zone géographiquement et en tout cas au niveau météorologique unique en France, c'est que c'est le seul endroit de France où il y a moins de 200 mm d'eau de pluie qui tombe. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, on venait faire du trial pour s'entraîner, pour ne pas avoir la pluie avec les copains. On venait au Goude, il pleuvait à Marseille, il ne pleuvait pas au Goude. 200 mm, c'est un climat de type désertique. Alentour, on ne voit pas un arbre. Il n'y en a pas. Si tu regardes vers là-bas, on a l'impression qu'il va pleuvoir. C'est évident qu'il ne pleuvra jamais au Goude, je l'ai dit tout à l'heure. Mais en revanche, si tu reviens vers la ville, le soleil est toujours gagnant. Il n'y a rien à faire, il reprend le dessus. Et quand tu es là-bas, tu as carrément un bleu pastel, qui n'est pas du tout le bleu de cet après-midi. Mais regarde encore la douceur de l'image. S'il y a une critique à faire à Marseille, c'est ça. Je ne sais pas si c'est des problèmes de nettoyage d'ordures ou les problèmes d'incivilité des gens. Mais Marseille, je suis désolé, j'adore cette ville, mais c'est une ville sale, il faut le dire. Et chaque fois que des gens viennent, ils me disent la même chose, ils me disent c'est sale, c'est dommage. Si on n'a pas eu l'America Cup quand les Suisses sont arrivés, c'est que la ville, en plus, il y avait la grève des poubelles. Alors je ne dis pas le bordel que c'était. Allez, là, tu vas découvrir que le bout du monde est un paradis. Encore 10 pas, 9, 8, 7, avance, avance. Allez. Il n'y a plus rien à dire, c'est fabuleux. Et on est toujours à Marseille. On est toujours dans la deuxième ville de France. Et en fait, on ne sait plus où on est. Hein. C'est vraiment de la gourmandise d'être ici. On ne peut pas tout prendre. Hein. Cross this line. Do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be. De l'autre côté pour aller voir un peu ce que ça dit. Ah, le pays habite autour au sud, sauf votre dernière offrande à proximité du parc. Hein. Ouais, madame, on va venir. On va prolonger avec du 23. Pour qu'ils disent qu'il faut qu'ils viennent couper l'herbe là derrière. Voilà, maintenant j'ai toute la canisse, elle est morte. Voilà, toute ma canisse, elle est morte. Voilà. Passe de l'autre côté. C'était un petit feu de broussailles. Ça a commencé à prendre dans la haie de la maison. On est dans les quartiers nord, on est dans le 15e arrondissement, dans une cité. Et voilà, on a pu faire notre intervention, on n'a pas eu de soucis.
Les petits viennent nous voir, on leur dit ce qui se passe. Et tout va bien, quoi. C'est un rapport de population, tout se passe bien. Être pompier à Marseille, c'est différent d'être pompier ailleurs ? Oui, à Marseille, c'est différent. On retrouve tous les risques. Le risque de feu en colline, l'été surtout, le feu urbain, le feu de bateau, plus toutes les interventions spécifiques dans les calanques, sauvetage en mer, intervention dans le rocher, la pollution marine, les commandos héliportés. Donc tout ça, c'est des spécialités. C'est la seule ville en France qui regroupe tous les risques. Donc c'est très intéressant et ça nous permet une certaine polyvalence. Et en plus, c'est Marseille. Je suis né ici, à la Stack. Ça fait 47 ans que j'habite ici, dans ce monde. Quand je suis né, j'habitais au numéro 6. Après, quand je me suis marié, on s'est mis ensemble avec ma femme, j'habitais au numéro 2. On a habité 10 ans au numéro 2. Et là, je suis revenu au numéro 6. Donc, tu as déménagé deux fois. Voilà, dans la même rue. Voilà, les petits qui sortent de l'école encore. Le cœur du village maintenant, c'est en bas à la Stack. C'est vraiment devant le port où il y a tous les commerces. C'est là que ça vit le plus. Voilà, c'est l'église où je me suis marié, en fait. C'est une église de pêcheurs. C'est l'église Saint-Pierre. Donc là, les façades sont en briquette rouge parce que c'était l'industrie du début du siècle dernier, les années 1900. Il y avait les tuileries. Donc tout est fait en briquette rouge ou en tuile. Par exemple, la maison que vous avez là, c'était un commerce avant, c'était une boucherie. Sur votre droite, c'était une épicerie. Tous ces petits commerces ont disparu au fur et à mesure que les usines ont fermé. Au départ, c'était vraiment un quartier de pêcheurs. Et maintenant, ça s'est un peu embourgeoisé, on va dire. Ben, c'est dû à l'arrivée du TGV, la douceur de vivre. Donc, beaucoup de gens sont venus s'installer à la Stack. En fait, c'était même pas un sport au départ, c'était vraiment... c'était une passion de pêcheurs. C'était les pêcheurs des différents petits ports qui se défiaient. Bon, maintenant, des pêcheurs, il n'y en a plus beaucoup. Les petits ports, souvent, ont disparu. Après, avec les années, c'est devenu un sport à part entière. Vous avez pris les barres et les échelles, ouais. Kevin, paillage sur le pâteau bleu. De la Stack également. Allez, vas-y, descends, voilà. Tu descends pas, ne descends pas plus. Voilà, c'est bien, Mino, c'est bien, voilà. C'est bien, tu as vu quand tu écoutes pas cette folie, s'il te plaît. Arrêtez, c'est l'été, les gars. C'est l'été, arrêtez. Tu fléchis, tu descends. Voilà. Et voilà, doucement. Voilà, fléchis sur les jambes, fléchis. Là, là, regarde, c'est là. C'est là, quand je te le dis, fais-le. Tiens, Jean. Allez l'olive, allez Jean, bim fort en haut, le choc des beaux frères. Non, il a pris que des bings. Que des bings. Oh, il a été champion de France lui, arrêtez. Comment ça se fait qu'il t'a mis à l'eau alors? Ben, il est plus lourd que moi. Il me rend au moins 40 kilos. Pas 40, mais 30 kilos. Je suis né à la Stack, j'ai grandi à la Stack. J'ai passé ma vie ici. Mon père, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Voilà, donc on est tous vraiment estaquiens de souche. On ne se sent pas trop quand même marseillais ici. On est plus estaquiens que marseillais. C'est-à-dire quand on part en vacances ou quoi, ici et là, on est marseillais. Mais quand on est à Marseille, on est estaquiens. C'est vrai. Ici à la Stack, c'est l'esprit marseillais, mais plus exacerbé des fois. La Stack, c'est surtout... Attention le camion, les gars. Au départ, la Stack, c'était surtout des ouvriers. C'était tous les gens qui travaillaient dans les usines, c'était des pêcheurs. Donc c'était des corporations, quoi, je veux dire. C'était tous les gens à l'époque votaient communistes. C'était vraiment le truc, le quartier ouvrier dans toute sa splendeur. Les pêcheurs, pareil, les pêcheurs, ils avaient une prud'homie, c'était vraiment... Après, bon, les pêcheurs, il en reste deux. Et les usines ont fermé, donc voilà, il n'y a plus rien. On est un peu délaissé par la capitale, tout ça. C'est dur pour avoir quelque chose. Donc on fait ce qu'on peut. Donc s'il n'y a pas de solidarité... D'abord, vous l'avez vu, hein, avec l'histoire des banlieues, tout ça. Ici, il n'y a pratiquement rien eu.
Tout le monde parle, les meurtres, tout ça, mais bon, c'est des clichés aussi. Enfin, c'est des clichés, ça arrive dans toutes les villes, mais c'est pas médiatisé. Après, à Marseille, il n'y a jamais eu d'histoire des meurtres dans les cités, ils n'ont jamais mis le feu de partout. Voilà, ils ne se laissent pas faire, il y a un esprit rebelle, mais il y a quand même une solidarité. Ils ne font pas ça parce que dans les cités, tout le monde habite là. Et si vous allez, ils vont brûler les voitures, c'est la voiture de son voisin ou de son oncle. T'as. Donc ils ne le font pas. Et maintenant, on va boire l'apéritif. Hein. On ne va pas se saouler, hein, mais on en boit deux ou trois, pas plus. Et on rentre à la maison, parce que demain, il faut aller travailler. Moi, c'est comme ma grand-mère, elle me faisait le merlan. Bah, à Marseille, on mange tous, quand chez Minot, tu manges ça, le merlan frit. En fait, le truc qu'on a fait, c'est qu'on a associé trois trucs qu'on mange à Marseille. Dans la même assiette, les panis, que tu m'avais pas mangé à l'Estac, là, ta grand-mère ou ta mère, hein, qui te faisait des merlans, et la yoli. Non, mais les trois en même temps. C'est notre fish and chips. Bon, après, on l'a écrit à notre façon. Nous, on dit merlan, mais c'est pas du merlan, c'est du merlu. Il n'y a qu'à Marseille qu'on appelle ça le merlan. Hein. Les gens, ils ont tendance à aller de moins en moins dans les poissonneries, vu qu'il y a des supermarchés, qu'il y a un peu. Puis les gens, il n'y a pas grand monde qui prépare son poisson, on va dire. Donc, si le poissonnier se déplace et qu'il va aux gens, c'est pas mal. Tu es sur un festival, tu fais manger du poisson frais aux gens, les gens, ils hallucinent. Je ne sais pas si ça se fait dans d'autres régions. L'hiver, on leur fait les huîtres, on leur fait les oursins. Les gens, ils sont ravis. Quoi. J'imagine bien que les gens qui vont acheter une barquette de saumon à Carrefour, je crois pas que le saumon, il leur parle. C'est trop bon, tu arrives à faire manger des anchois aux gens, alors qu'ils sont venus voir une chorale dans un quartier à Marseille, je sais pas, moi je trouve ça, je me régale en fait, je me régale. Il y a tout à faire à Marseille. C'est la plus belle ville du monde, il n'y a personne qui l'a compris, donc il y a tout à faire. Donc non, c'est pas dur. Après, je pense qu'à des moments, ça va un peu moins vite qu'ailleurs. Mais bon, quand tu es ici, tu le sais quoi. Ça va un peu moins vite qu'ailleurs, ouais, j'imagine bien, mais bon. Non, je trouve pas que ce soit dur d'être entrepreneur à Marseille, non. Il y a vraiment des bons trucs à faire. De toute façon, tu veux que je fasse ce que je fais, puisque je pourrais pas le faire à Paris, à la Seine, il n'y a pas d'anchois, donc à partir de là... Ah, l'océan, oui, c'est magnifique l'océan, je me suis régalé, j'ai fait des stages là-bas quand je te dis que j'apprenais les huîtres. Mais après, non, j'ai qu'une mer, c'est la Méditerranée. Ça y est. Mais là, on va aller là en face. Maintenant. C'est un coin pour mon enfance ici. Ah là, ici, c'est mon fief. J'étais là avec mon père, il avait le petit cabanon quand j'étais gamin. Puis dès que j'ai eu l'âge de louer un appartement, je suis venu ici, je suis parti au port. Ici, je respire. Voilà, j'ai envie de m'arrêter, me poser, il y a que des amis. Et la vie, elle est différente. Pourquoi, je sais pas, c'est comme ça. Là, c'est mon petit coin. Je mange avec la mer, hein, je ne cache pas. Je pêche du poisson, j'en mange beaucoup. Je fais profiter mes amis, des fois des voisins qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter du poisson frais. C'est vrai, ça. Et je leur file du poisson parce que nous, on en attrape. Que voilà, c'est comme ça. Et ça vient de la mer, donc on va pas faire profiter. C'est comme ça, je sais pas. Quand tu plonges là, près de la plage, c'est tout blanc. Il n'y a plus de vie, c'est tout blanc sur 20-30 mètres. Ils ont tout abîmé. C'est le blanc, là. Eh ouais. J'ai vu des herbes blanches, toi.
Ça n'existe pas, ça, dans la nature. Tout ça, c'était tout pollué. Et là, il y avait une sorte de tuyau. Et il y avait des rejets de l'usine, les toits que tu vois là-haut. C'est des rejets de soufre. Ils avaient pollué tout le bord, là. Mais là, apparemment, là, ils ont arrêté l'usine, ça fait 3 ans. Et apparemment, la vie, elle revient. C'est pas mal. Je suis bien content, d'ailleurs, que la vie revienne. Et là, on est dans le plus vieux quartier de la ville, le premier quartier où il y avait les Grecs, puis les Romains. Pourquoi ça s'appelle le panier ? Il y avait une auberge qui s'appelait le logis du panier. Et on s'est souvenu uniquement du panier. Donc ça a pris le nom de l'auberge. On est dans la ville la plus vieille de France, 2600 ans. Les Grecs sont arrivés par là. On est à 30 mètres du port. Lorsque les Grecs ont débarqué dans le port, ils sont installés sur la colline pour voir arriver ce qui arrivait comme eux de la mer. Et la seule colline, avec Saint-Victor qui est en face, dont ils ont construit quelques maisons de pêcheurs à Saint-Victor, et surtout sur cette colline qui est restée le quartier marseillais depuis 2600 ans. Puis après, il y a eu les Romains, et puis ensuite, bon, depuis 400 ans, ce sont les Corses, parce que c'est toujours des navigateurs qui ont fondé Marseille, qui ont transformé la ville, et les Corses, dans une île aussi pauvre que la Corse, comment ils gagnaient leur vie? En naviguant. Dans ce quartier-là, les Corses ont recréé la Corse. Là, c'est la rue Bossan, qui est une des rues les plus célèbres du panier. Alors, ici à Marseille, qui tenait le panier tenait Marseille. Et il y a eu deux voyous très célèbres ici. Il y avait Carbone, Paul Carbone, avec son collaborateur, l'Italien, Spirito. Et donc Carbone, qui a pris la ville, est né au numéro 9. Et il a mis en place ce qu'on a appelé plus tard la French Connection, parce qu'on croit toujours que la French Connection, c'est les années 60, mais elle commence ici dans le quartier, avec Carbone et Spirito. Ils faisaient venir l'opium d'Extrême-Orient et le shit déjà du Maroc. Là, ici, je suis venu pendant 15 ans, lundi après-midi, de 2 à 5, et donc j'animais des ateliers d'écriture. Ici, c'est unique parce que c'est une prison qui ressemble à la ville. C'est la seule prison où les mecs jettent tout par les fenêtres. Dès que c'est pas bon, ils balancent tout par la fenêtre. Mais on voit souvent des familles qui se perchent sur le mur, là, parce que tu vois, le son est répercuté par les murs. Donc si tu appelles d'ici, on t'entend et ils te répondent. Ce qu'on appelle les parloirs sauvages. En 1850, on avait une autre prison. C'était la Vieille Charité, très beau bâtiment. Comme Marseille était une ville florissante, très riche, et il n'y avait plus un seul détenu dans la prison de la Vieille Charité. Donc on a fermé la prison, et c'est le contraire aujourd'hui. Depuis les années 70, la ville ne cesse de s'enfoncer dans la misère, et donc ici il y a 1100 places et il y a 1700 détenus. C'est la ville qui n'a plus de règlement de compte. En 20 ans, il y a eu 380 règlements de compte à Marseille. Il y en a eu 108 à Paris, 170 à Ajaccio. Donc c'est la ville la plus meurtrière dans le grand banditisme. Et en même temps, c'est la plus belle rat du monde peut-être. Ici, ce qui est atypique, c'est ce métissage, cet esprit de contradiction, cet esprit de révolte. Il y a cet exemple que tout le monde connaît, hein, quand Louis XIV a construit les deux forts sous Vauban, les canons étaient tournés vers le large et très vite Louis XIV s'est rendu compte que les vrais ennemis n'arrivaient pas de l'extérieur, mais qu'ils étaient dans la ville, c'est les Marseillais. Donc il a tourné les canons vers la ville. C'est une histoire qui est connue ici, mais c'est très symbolique de ce qui se passe à Marseille. L'ennemi, il est intérieur, il n'est jamais venu du large. Pour le roi, comme pour les présidents, l'ennemi, c'est le Marseillais. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand il y a les PSGOM, il n'y a jamais autant de renforts de police, parce qu'il y a cette rivalité entre une capitale, la ville des Lumières, brillante, pétillante, la ville Champagne, et puis Marseille, qui est une ville rugueuse, insolente, métissée, une ville de voyous. Donc c'est tout le paradoxe. Il y a une histoire extrêmement intime avec le banditisme. C'est un port. Dans un port, tout arrive. Les marchandises légales et les marchandises illégales. Tout le commerce, légal ou illégal. Donc la première période des années 30, c'est le racket et l'opium. Ensuite, les guérinis après la guerre, c'est les femmes, c'est-à-dire la prostitution et les cigarettes blondes. Et puis ensuite, lorsqu'on tue Antoine Guérini, Zampa prend le pouvoir dans cette ville.
Et là, c'est les machines à sous. C'est surtout les machines à sous qui font des dizaines de morts dans les années 70-80. Marseille a 600 bistrots, et dans chaque bistrot, il y a 2-3 machines à sous. Et là, c'est un empire colossal qui est dû aux machines à sous. Jusqu'à ce que les casinos ouvrent, se répandent, et là, les casinos ont pris toutes les machines à sous. Et les bars ont vu se fermer les uns après les autres parce qu'il n'y avait plus de machines. Et maintenant, c'est même les casinos qui ferment parce qu'on joue en ligne, et donc le petit écran a remplacé le casino. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste ? La cocaïne et le shit. Ça reste le monopole du grand banditisme, la cocaïne. Les jeunes des banlieues font venir le shit. Si on ne trouve pas une industrie avec 50 000 ou 60 000 emplois, Marseille est une ville qui va encore se paupériser. Les baumettes sont pleines et dans les quartiers nord, il y a 60%, parfois même 70% de jeunes au chômage. Donc comment ça va évoluer ? Eh bien, ça ne peut qu'empirer parce que la seule réponse, c'est l'école et le travail. Le travail et l'école. Voilà, c'est tout. Une école qui ferme, c'est une prison qui ouvre. Ce n'est pas des prisons, c'est des entreprises qu'il faut ouvrir. Mais ça, les politiques le savent. L'école et le travail, c'est la seule chose qui peut sauver cette ville. Ma Marseillaise à moi, elle est chaleureuse et ensoleillée. Elle se réveille de bonne humeur, elle chante en arrosant ses fleurs. Elle raconte des histoires, elle exagère, mais il faut la croire. Ma Marseillaise à moi, elle passe des heures à regarder la mer. Du haut de son balcon vers la Canebière, elle se régale de la couleur du ciel. Et si ses frères ont émigré au nord, elle préfère rester près du vieux port. Ma Marseillaise à moi, elle est courageuse et entreprenante. Elle aime à se rendre appétissante, généreuse et attirante. Comme toutes les femmes de caractère, elle s'enflamme parfois en un éclair. Moi, elle est comme toutes les femmes de la terre. Elle est unique à l'évidence, sauf qu'elle est née au sud de